Et salut à tous pour cette vidéo Witch 2 Let's Play. Et encore un nouveau Let's Play. On va encore tout détruire. On l'a pris par derrière, ça lui fait du bien. Allez, on se focus, on se focus. Voilà, on n'est pas tout mal là. Alors, on doit récupérer des pièces. Des pièces de pilotage. Non, j'arriverai pas à monter là-dessus. Ah, c'est dans ces caisses, d'accord. Allez, ça va être l'heure de l'overdrive. Allez, il est bientôt mort. On a rechargé, on y retourne. Allez, fais-moi le malin là. Et un de moins, je crois qu'ils sont deux. Ok, c'est parti. Je commence à voir. Putain, nique sa mère. Ah bah oui mon gars, je te connais maintenant. Autant utiliser ses pouvoirs. Hein. Ah merde. Et voilà, plus personne pour contrôler la machine et il est mort. Par contre, ça liquide bien les munitions. Alors, il faut que je trouve mon petit coffre. Il est où ce petit coffre? Ah, voilà. Et hop. Préparer le repos pilotable. Avant, je vais aller chercher Félix. Mais quelle mission? Moi, je voulais me rendre voir Marshall. Parce que je l'ai débloqué niveau 5. Pour débloquer une nouvelle quête, de la quête principale sur ce Let's Play. Activation des systèmes.
L'exploseur. Nouveau véhicule. Alors j'ai le boom boom, le dévastateur, le chesscar, conquête koala, le file tempête PG burger. Ah, le tatou. Ça c'est celui que j'ai débloqué avec le, vous savez, le gros ver de terre, le ver des sables. Faire venir pour 1000$, pour 10$. On peut vraiment piloter un robot. Ah, faut que je fasse une démo là. Rien à tuer là. Ah, je vais aller chercher la météorite en robot. Oh, le kiff. Transformers, tenez-vous bien, j'arrive. Ouais, même Pacific Rim, il se chie dessus là. Allez, c'est parti, c'est parti. Va falloir sortir les accessoires pour pénétrer ces boucliers énergétiques. Ouf. Intégrité à 70%. Bouclier énergétique détecté. Il s'agit d'une autre arme. Allez, c'est parti, c'est mon premier. On voit que je peux réussir. Bouclier énergétique détecté. Essaye une autre. Il est là, non? Ah, yes. Point faible exposé. Oh. 15 plus 15 pièces mécaniques. Ah, bah, j'ai gagné un niveau avec. Qu'il y a encore beaucoup à faire, mais ces actions ont soulagé de nombreuses personnes et nous ont permis de débloquer de nouveaux projets. Ah. Merci. Système en récupération. Système entièrement restauré. Allez, c'est parti pour la suite. Et c'est mon premier annihilateur de détruit. Par contre, j'ai liquidé plein de munitions. Assez horrible à faire tomber au final. Je pense que c'est vraiment à faire tomber quand on commence à être à haut niveau, quoi.
Allez, j'arrête de me mettre à droite à gauche, je vais faire ma mission parce que sinon je vais pas y arriver. Ouais, ça y est, on est de retour à Gunbarrel, après avoir détruit son premier annihilateur. Le petit Landal est content de pouvoir rentrer et faire une quête principale, au moins de la débloquer. Ah bah faut descendre, je suis con quoi. Ah, le plein de munitions. Oh, une grosse arme. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que Kulo a disparu. Et sans ces infos, on peut rien faire. Comment ça? Le brouilleur devrait te permettre de franchir la sécurité de l'autorité. Le truc, c'est qu'il faut que je le calibre sur le système de sécurité actuel de l'autorité. Sinon, il ne fonctionnera pas. J'ai envoyé en reconnaissance, mais je n'ai plus de nouvelles. Et juste avant ton arrivée, j'ai reçu ça. Ah bah comme par hasard. Marche, Gulo, j'ai trouvé un vieux trou de l'autorité. Je pense que je peux utiliser leur liaison pour accéder au flux principal de l'autorité, identifier leur sécurité. Mais il y a un pépin. Des super éternels se baladent dans les collines. Ils cherchent de la tech et des victimes. Je vais me planquer et garder l'œil ouvert. Une espionne profanatrice. Saisissez-la, ramenez-la au cachoir. Mâche. Mâche, ils m'ont trouvé. Je me suis fait choper. Mâche. Les sueurs éternels sont des malades. Ils Père. Torturent pour le plaisir. On a besoin des coordonnées du repère de l'autorité, et je préférerais que ma meilleure espionne n'y passe pas. Ah, t'es bien marrant, toi, mais... C'est pour vous, ils sont pas éternels. Il meurt très bien. Je la sauverai. Bonne chance, Ranger. Ramène-moi cette éponge à gnôle en vie, d'accord? Cette éponge à gnôle. Ok, d'accord. Bien reçu, camarade. Allez, c'est parti, on va chercher l'éponge à gnôle. Allez, on a fait le plein, on va pouvoir changer de véhicule. Putain, je suis dans Star Wars 9 là. Incontrôlable ce truc. Ça y est, on arrive à point nommé. Au perchoir. Un dispositif locus, comme tous les marchands de matos technologiques. Ça émet un signal que tu pourras capter sur cette fréquence. Ok, cool. C'est parti pour une infiltration, pas vraiment. Pas vraiment discrète. Va falloir sortir les accessoires pour pénétrer ces boucliers énergétiques. Ok, c'est parti. Je peux traverser les trucs en béton avec ça. Ce serait drôle. Alors défonce leur petite gueule avec leur véhicule. Ouais.
On peut les écraser, non? Ouais. Voilà. Voilà, ça, ça pète. Hey, tu veux un Winstick vintage, mon gars? Putain, sérieux quoi? Oui, y a rien d'éternel, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Allez, viens, viens, viens. Bah alors. Réaction, réaction. Allez, c'est l'heure de l'overdrive. J'ai cru qu'il allait pas crever, quoi. Oh, j'ai même éliminé de gros. Elle doit être tout en haut. Ouais, c'est ça le signal, elle va tout en haut. Allez, Gulo. Je trouve elle est déjà morte. Hein. Gulo, elle est morte. Le signal est toujours actif. Elle a dû avaler le locus. Désolé, Gulo. Ah. Dégueulasse. Marche. Les sueurs m'ont trouvé. J'ai pas pu m'enfuir. Je me suis enfermé dans un coffre pour enregistrer ça. Je crois qu'on se reverra pas. T'étais le seul type bien que j'ai jamais rencontré. Les coordonnées du repère de l'autorité sont sur le locus. Je vais faire comme tu m'as dit et avaler ça tout cru. J'espère qu'ils vont pas m'ouvrir le bide. Je suis sûr que tu remonteras le signal pour me trouver. Adios, mon pote. Marshall, mauvaise nouvelle. J'ai trouvé Gulo. Elle est morte. Merde. Elle va me manquer. Adios, je suppose. On se reverra de l'autre côté, ma vieille amie. Elle a donné sa vie pour ça. Le locus. Il contient les coordonnées de l'autorité. Eh ben vas-y. On doit trouver quel système de sécurité ils utilisent. Je suis en route. Au moins, sa dernière expédition n'aura pas servi à rien. Amen. Elle sera à nos côtés pendant ce combat.
Je crois qu'il s'en bat les couilles. Mais total. Et ben voilà, cette vidéo va se terminer là parce que du coup j'ai fait quelques passages pour aller chercher des trucs à détruire et à tuer, donc je pourrais pas vous faire la mission en entier sur ce let's play, mais bon, c'est pas grave. Ça fera toujours plus de vidéos pour toujours plus de let's play avec Londel sur Rage 2. Accrochez-vous, il y a du sang, il y a de l'action, il y a des balles et il y a du carnage. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Rage 2. Un prochain let's play. Et sur ce, amusez-vous bien, portez-vous bien, et à bientôt. Ciao.